Dans cet ouvrage passionnant, Jean Dutour a réuni certaines de ses chroniques les plus brillantes. Ainsi parle-t-il de manière passionnante d'un parallèle qui existerait entre l'œuvre de Balzac et l'existence d'Oscar Wilde. Il est probable que si Balzac l'avait rencontré, il aurait reconnu là un de ses enfants. Sa vie est singulièrement balzacienne. À lui seul, il est en concentré de la comédie humaine. Il a commencé par être un lion, comme de Marsay. Il a encore plus d'esprit que Bixiou et Nathan. Il est encore plus snob que Rastignac. Il a la bonté et la foi du curé Bonnet. Il va au bagne comme Vautrin. Il a rencontré même son Lucien de Rubempré en la personne de Lord Alfred Douglas. Sa mort dans une chambre d'hôtel est déchirante comme celle du père Goriot. Il est le père Goriot de la pédérastie.